Qui est dans des sommes. Nous aimons à travers sommes, toute belle bagaille que inspiration. Nous aimons message. Nous aimons prophétie. Nous aimons dans sommes prophétie qui peut quand même arriver dans le temps pas noir. Nous aimons prophétie qui vient dans la fin des temps. Et nous aimons prophétie que Kabina dans la nouvelle Jérusalem. Dans ce cas, on paquet de bagaille dans sommes. Nous avons des problèmes, nous décourager, nous besoin, tout ça qu'on besoin dans somme. Peut-être ça je dis à on parle dans de deuxième partie Somme 107 de verset 23 à verset 43. Titre somme là, c'est louange à Baya pour bon Kelly. Nous parle faire louange à Baya pour bon Kelly. C'est comme ça tout, ou pas le temps de Sœur Denise Auguste, qui pourra lire pour nous, Somme 107. N'a pas de titre là encore, c'est Louange à Baya pour bon cœur. N'a pas de Sœur Denise. Shalom, shalom. Shalom, shalom, sister. Bien là, Danyo, qui voyageait dans le bâtiment sous la mer. Je t'ai fait trafic la côte pour y vivre. Je te ouais, ça Seigneur a te fait. Je te fait belle bagaille, il te fait sous la mer. Le louvre bouche li, li parle. Yon bon vent levé, ça fait l'homme la mer yon mauvais. Bâtiment yon monte en l'air, yon descend dans fond la mer. Dans fond la mer yon. Devant tout danger sa yo, les hommes perdent du courage. Tête yo viré, y a kilbité tant qu'au monde qui sou. Yo perdu toute l'adresse yo. En bas tout trahi sa yo, yo relé nan pye Seigneur, li ou ete yo nan l'affliction sa. Li kase gros vent. L'homme mè yo suspend fè du calme fèt. Je suis content de voir la mer à Vingbel. Seigneur a fait rentrer sans danger dans le port côté où tu as pu aller. C'est pour vous dire Seigneur merci pour les gens qui ne peuvent jamais suspendre les mains. Pour les belles choses à faire pour moi. C'est pour faire connaître les gens qui ont le pouvoir. Les peuples réunis, c'est pour vous faire rentrer. Devant conseiller chef famille. Seigneur a fait la rivière sécher net. Il fait souci yo pas bay de l'eau encore. Il te fait terre qui compte bay belle récolte. Yo tourne saline parce que moun qui t'a vivre là t'a fait trop méchanceté. Il fait des airs tourne madlo. Li fait sous-développer tes côtés qui te gêne tes secs. C'est là, li fait moun qui te grand gouyo, mouté taille yo.
yo bâti yo la ville pour yo rete. Yo fè an pile jardin. Yo planté pi raisin ki bay belle récolte. Li béni yo. Li bay yo an pile petit. Li pat kite bèt yo depeple. Après ça, yo vin yon ti pwoyen moun. Yo perdi pye parce que moun tap pesé yo. Yo tap soufri. Yo te nan misère. Mais abaya qui montre Jean li ka méprisé grand nèg yo. Li même qui fait yo monter descendre dans désert sans yo pas konn côté yo pour aller. C'est lui qui ont été pauvres malheureux dans misère. C'est lui qui fait yo fait petit tant cochiné. Moun qui marche droiture ouais ça. Yo content mais méchant yo été à bouche yo fermé. C'est pour moun qui gen comprendre, chercher comprendre bagay sa yo. C'est pour reconnaître Jean-Seigneur a gen bon cœur. Alléluia. 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 Merci Abaya. Alléluia. Alléluia. C'est tout le monde qui gen bon comprendre, chercher comprendre bagay sa yo. Ou tout bagay sa yo. Si pas gen bon comprendre, ou pas cap comprendre yo non. Et bon comprendre son seul gens qui arrive bon comprendre. Abaya seulement. L'école pas bay bon comprendre. Nous fait toute étude ou gen tout ça qu'on gagne, ou gen PhD ou gen toute bagaille, ou pas kage bon comprendre. Bon comprendre c'est abaya qui dit quoi ça que la bon comprendre. Parce que pour gen bon comprendre faut ouvrir l'esprit ou. Pas oublier que les que Yahosha est venu voir avec disciples, il dit comme ça que moi pour ouvrir l'esprit nous pour comprendre ça que m'a dit. Lè que abaya ouvert esprit ou pas comprendre on l'autre gens mais lè que pas bon comprendre ou prend parole ou virer le tourner devant derrière il vient tourner philosophie nous est belle bagaille qui gen dans somme là et abaya dit nous comme ça que c'est bon qui gen bon comprendre chercher comprendre mais nous même qui réveille ça abaya ba nous bon comprendre pour ça comprendre somme yo. C'est comme ça que Elder Emmanuel pour entrer dans somme ça il pour faire commentaire de somme ça et wap chit attendé paquet message qui à travers somme ça n'attendé Elder Emmanuel Shalom non va continuer avec Somme 107 là. Et nous arrivons à verset 22. Et nous allons déraper avec verset 23. Et nous avons dit nous, attention, non, pour que nous soyons capables de partager ensemble les commentaires. Il y a des gens qui voient un bâtiment sous la mer. Ils ont fait trafic la côte. Pour vivre. Il était ça, Seigneur, qui fait. Il était belle. Mais. Non. Israélite, ça y que Abaya a déplacé côté qui. Parce que je connais que Israélite, yo gagne tout partout sur la terre. Gagné à bien surtout pour un pays tant qu'Haïti qui a au moins 5 ou bien 6 îles pour avoir un gain qui n'a grande terre qui sur la terre ferme mais avoir qui la vache ou avoir qui il la vache ou avoir une dans île Caïmi ou avoir une île Haïti et faut que c'est la mer pour prendre yo arriver dans grande terre en plein là yo. C'est métier la mer que vous faites. Vous avez un petit bâtiment pour transporter le monde, ou bien un bâtiment pour faire la pêche. Eh bien, David, dans la vision, dans la vision prophétique, là. Donc, il y a déjà que vous avez dans Israël, vous avez pour tourner en Israël. Mais, parce que, ça débute de qui côté qui a choisi
parce que yo même c'est mon ne trafic la mer et c'est pour ça il dit que gè ladan yo qui voyage dans bâtiment sur la mer il t'a fait trafic la côte donc pour vivre donc c'est professionnel yo c'est de ça qu'yo vive et probablement il y a gagne moun yo même tout pour transporter mené elle sur petit bateau donc yo gagne et yo te wè sa sin a te fait yo te belle bagarre il te fait sous la mer donc sous la mer pour retourner dans pays côté qui a baya pour mené yo pays Canada et bien yo connaît tout danger qui gagne sous la mer parce que route là il long faut que traverse l'océan Atlantique peut-être traverser l'océan Pacifique peut-être également traverser la mer je ne pas connaît yo connaît gain danger mais yo connaît également yo assister à travers parents yo grands-parents yo toute belle bagaille l'Éternel a baillé te fait pour monde qui était sous la mer spécialement les pour traverser la mer rouge ils traversent la mer rouge à pied il va dire rien il va se mettre il ouvre bouche lui il parle un gros vent levé ça fait la mer mauvais ah ben lui dirige le vent lui dirigeait la mer, ça t'est arrivé avant que je sois Machiach. Et David, ouais, même bagarre là tout. Qui vient arriver tout. Quand on a traversé, que le peuple a fait sortir d'un lieu pour aller vers un autre lieu, vers le lieu de rassemblement. Ah ben, elle ouvre bouche, lui parler. Et puis le vent levé. Donc David voit tout ça, David voit toute situation. Que peuple là, peuple Israël là, pour le vivre pendant habiter en zone pour aller vers l'autre zone jusqu'à ce que ils arrivent dans le lieu de grand rassemblement. Il ouvre bouche, il parle, il y a un gros vent levé. Ça fait la mer mauvais parce qu'il n'y a pas de parler. Ensuite, le bâtiment est monté en l'air. Je descends dans le fond de la mer. Devant tout le monde, les hommes perdent courage. Donc, c'est David qui veut monter, non? C'est que même à travers ce rassemblement que Abaya va faire avec le peuple pour faire recamper encore, Israël, toujours Israël. Joumou, pardonne, Kalbas. L'air ou danger, pas étonné, parce que David déjà fait nous connaître ça. Grand pile nan yo kap découragé, kap. Même j'ai été découragé dans le premier exode là. Dans l'exode de l'Égypte là. Ça, c'est le deuxième exode là qui va le faire. Il y a grand pile le cap décourager même gens parce que on pas dit préfère monsieur ça te quitter nous côté que nous hier au lieu que le faire nous prendre la mer et cetera à vivre dans le monde la mer cetera alors qu'on doit vivre côté que nous et c'est pour ça que David la prophétie a lui annoncé non que en pile dans Israélite face à danger que vous pourrez faire face dans le chemin retour, dans le deuxième exode, là, dans le deuxième l'Égypte, là, eh bien, pas étonné que vous avez plein de plaintes, découragement, parce que il y a un bâtiment pour la plupart. L'homme a voulu aller ce bâtiment descendre dans le fond de la mer. C'est une route
qui pas facile. Son route cap très difficile. Et a grand plus plein. Et verset 27. Tête yo viré. Y a qu'il bité tant qu'un monde qui sou. Yo perdi toute l'adresse yo en bas tout trai ça yo. Yo relé dans pied Seigneur. Li rete yo dans l'affliction ça. Donc pendant que yo la sou route là dans la mer, y a bien tête viré. Gen kap vomi. Y a bien mal de mer. Y a culbuté tant qu'un monde qui sou. Yo perdi toute l'adresse yo. Yo pas à l'aise. Il va pleurer. Mais en dépit de tout, on va tout trahir que yo est dans la mer, dans chemin retour. Eh bien, yo est dans pi abaya. Je dis abaya. Koto abaya. Pote nous secou. Et abaya. Retire yo dans affliction ça. Verset 29. Li casse gros vent. L'amblan meyo, suspend febri, calmi fait. Abaya, pas changé. Abaya, pas changé. Abaya, c'est même Abaya que nous te connaît depuis avant Jonas là, qui te fait gros vent levé. Et c'est même expérience ça que disciples de faire avec Yoshua à Machiak. Lorsque Yoshua a dormi dans un bateau, et puis vent levé, la mer a fait bruit, et puis Abaya, ou encore Yoshua à Machiak, assez gros vent. Le mer suspend febri, calme fait. Donc c'est même ça qu'il a fait hier. C'est ça qu'il a fait avant hier. Et je dis encore, et demain, c'est même bagaille qu'a fait. Et verset 30, il était content. L'air où la mer a vu une belle. C'est un feu entré sans danger. N'importe. Yo te content. Le roi la mer a vu une belle. Si a fait entrer sans danger, ne pas au côté ou t'appelé ya. Donc, le roi miracle à Baya. Puis, comment que le mer a quitté mauvais, comment le mer a vu une calme. Eh bien, peuple à Baya qui n'a la mer, eh bien, yo content. Et tombe chanter les ouais la mer d'une belle les ouais abaya fait rentrer sans danger dans port côté t'a parlé là tout ça fait nous comprendre que le retour du peuple de Dieu à Canaan soit un truc qui déjà préparé abaya déjà planifié le déjà. Abaya déjà fait nous connaître comment ça va le faire. Et ce n'est pas sans raison que le prophète Amos dit que Abaya ne fait rien. Sans que lui pas annoncé d'abord ça va le faire à ses serviteurs, les prophètes. Et si vous avez que vous dit et qui pas écrit dans les Saintes Écritures, c'est que c'est à faire par les hommes que lui dit pas à faire Abaya. Parce que pas rien que Abaya fait qu'il pas annoncé d'abord qu'il pas écrit à l'avance. Si pour yo di Seigneur merci pour Jean dit pas jamais suspendre rien yo. C'est pour belle bagaille bon Dieu fait pour monde. Donc où Jean noter on verset na verset avant yo. C'est que peuple Abaya peuple Israël là gain pour dire merci à Abaya. Pour Jean dit pas jamais suspendre rien peuple lui. Pour belle bagaille Abaya fait pour moun, pour belle bagaille Abaya fait pour yo en particulier.
Parce que Abaya, c'est un grand Abaya, que les sont grands dieux, le Dieu d'Abraham, disait, ah, que de Jacob, qui toujours fait bien pour petit Lio. Et qui va me fatiguer, fait bien pour petit Lio. Et verset 32, c'est pour faire connaître, j'ai le pouvoir, les peuples réunis. C'est pour faire louange devant le conseil chef famille. Parce que les peuples Abaya, bien pour réunir après exode là, et bien c'est pas un grand bagaille côté que peuple ensemble machita pour que yo capable parler de ça que Abaya fait pour yo, yo capable discuter ensemble de belles bagailles que Abaya fait pour petit li, de merveilles Abaya pour peuple li, de grandeur Abaya, de ça Abaya lui-même lui fait pour yo en tant que grand Dieu, en tant que Seigneur des Seigneurs, en tant que roi des rois. Donc ces bagailles donc extraordinaire. Donc c'est très important. Et verset 31, ou encore verset 32, c'est pour faire connaître, j'ai le pouvoir, les peuples réunis, c'est pour faire louange devant le conseil chef famille. Oui, donc les chefs famille réunis. Le Abaya a fait rapport et a fait louange également de cette famille, de tout ça que Abaya a fait pour eux. Lorsque le conseil des familles est réuni, il nous prend la gagne 12 tribus. Il y a plein. Mes chefs familles, il y a plein. Il y a réuni pour être capable de faire louange pour Abaya. Et verset 33, Seigneur, fais la rivière sécher net. Il veut soucier. Pas belle gloire encore. Et nous songeons récemment, nous avons étudié, côté que, il dit que, côté qui gagne un pile gros rivière, un pile gros de l'eau, la sécher de l'eau, ça y pour permettre que le peuple a marché à pied. L'absèche de l'eau, l'absèche de fleuve, pour permettre que le peuple a marché à pied. Même Jean, il était traversé la mer Rouge, à pied. Là, il a parlé à Canaan, il a bien pu traverser le Frat, le Tigre, tout l'eau, ça, il a traversé à pied. Il veut 734. Il veut faire terre qui compte une belle récolte, qui tourne saline, parce que le monde qui t'a vivre là, ça fait trop méchanceté. Il y a un espace qui te connaît en pile manger, qui te connaît en pile récolte, et bien Abaya, David, dans la prophétie, il voit que Abaya fait retourner sa ligne. Espace ça qui te connaît servi pour manger, il n'est pas capable encore. Parce que monde qui habite espace ça, tu qu'on fait trop méchanceté. Il qu'on fait trop bagaille qui pas ça. Il qu'on fait trop bagaille qui pas correct. Bagaille qui va faire ba plaisir. Il verset 35, il dit que il fait des airs tourner mad l'eau. Il fait sous l'eau péter côté qui te gain terre sec. Donc bagaille c'est bagaille extraordinaire que tu vas le faire. L'igon c'est de bagaille extraordinaire que tu vas le faire. Et voilà pourquoi il est important pour nous là, pour que nous puissions vivre avec ça. Parce qu'il dit que il fait des airs tourner mad l'eau et il fait sous l'eau péter côté qui dégaine terre sec. Et verset 36,
C'est là, li fè moun ki te gran pou yo monte kayo, yo bati, yo la ville pou yo rete. Donc c'est va on transformation totale capitale. Côté qui te gran pile glo, côté que moun ta fè récolte, abaya, ap séché yo, à cause de méchanceté que moun sa te fè trop. Et en revanche, côté que tu as un désert, la fait désert, ça retourne, madlo. Et la fait sous l'eau pété, côté qui était un sec. En façon, pour que le peuple y a capable de un côté, pour faire jardin, pour faire pâturage, pour cultiver, pour que capable de vivre. Et verset 39. C'est là li fait moun ki te gran gou yo monte kayo yo bati yon la ville priorité abaya konnen misère que peuple y a traversé à travers le monde peuple a gagné à travers le monde mais à travers le monde côté ki te gou yo té nan mal cité. Ils vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. Et toute pauvreté côté de qui est dans le monde là, puis c'est Abayayo, Israélitio, et bien Seyo, et bien qui est plus victime de toute bagaille. Pour qui ça? C'est parce que ils ont été dérespectés à Abaya. C'est parce que ils ont été largués commandement à Abayayo. C'est parce que ils ont été largués contrat que ont eu avec Abaya. Et Abaya te prédit au ça depuis dans Deutéronome chapitre 28 dit ba yo possibilité de bénédiction et de malédiction dépendant du comportement yo mais malheureusement yo te choisi pour te dérespecter Abaya yo te choisi pour que pas tant de conseil Abaya yo te choisi pour violer Torah. Vous êtes choisi pour violer les commandements, violer la loi de Abaya, violer tout. Choisi, par conséquent, eh bien, tribulation qui t'a vu tomber sur vous. Et verset 40, là, lisez-nous. Mais, Abaya, il montrait. Jean-Luc a méprisé Grenègue. Lui-même, qui fait monter descendre dans le désert. Si vous ne pouvez pas côté yo pralé. Donc, tandis que Abaya a fait route pour le peuple, il a facilité la route côté pralé. Il a prouvé le chemin pour yo, il a planifié pour yo. Il a fait sous le mettre pour yo, mais par contre, eh bien, grand négio, Abaya a montré Jean li capable, mais Jean l'a fait monter, descendre dans le désert, si on pas connaît qui côté qui va aller. Moun sa yo, qui t'a bien mené avec bien Israélite, eh bien, je dis, c'est le contraire qui va arriver. Et c'est exactement ça que nous te voyons matin dans Habakkuk, chapitre 2, côté que Abaya, lui prévoit tout ça qui va passer de grand nègre qui t'a volé, bagay malere, mais te fait richesse sur priorité pour famille, grand nègre qui t'a tout pisi malere, qui t'a fait tout ça qui passa, eh bien, finalement, eh bien, bâton pour aller changer manche. Et verset 44, on dit, n'a pas compris, mais bon Dieu qui montre j'ai dit qu'à mépriser grand négio, lui-même qui fait monter des sangs dans le désert, si on pas qu'on est côté de Praléa, c'est lui qui ôte pauvre malheureux dans la misère, c'est lui qui fait petit. C'est lui qui fait petit,
tant pour fini. Donc, que Abaya, pral fè batou, on change manche. Il n'y a yo pas comme ça pour faire. Oh, Abaya, a pour retirer pauvre malheureux dans la misère. Et non seulement la pression de misère, mais la fait au fait petit de Kouchini. La fait au fait un pile Timoun et Timoun que cette fois-ci, il y a qu'à occuper parce que ce n'est pas eux qui ont occupé, c'est Abaya lui-même personne qui a occupé. Parce que Abaya a préparé un terrain pour le peuple. Abaya a préparé un terrain pour petit lui. Abaya a repréparé Canaan pour capable. Recevoir petit lion. Et verset 42, il dit, moun qui marche droit, yo, ouais ça, yo content. Mais, bouche fermé. Donc, quel un gros contraste entre moun qui marche droit et méchant. Moun qui marche droit, yo, ouais ça, ça va passer, puis yo content. Mais méchant, yo rete, ak bouche fermé. C'est même ça qui dit non à Apocalypse. Méchant ne peut pas dire, oh mon cœur, oh, je suis tombé sur nous, cachez-nous devant la voix de celui qui vient. Alors que nous qui doit être, il va le réjouir du salut de Abaya. Il va le réjouir de ça que Abaya a fait pour eux en leur faveur. Et de l'anniversaire 4 qui dit que c'est pour le monde. Qui vient comprendre, chercher comprendre bagay sa yo. C'est pour reconnaître Jean Sierra Gemoge. C'est pour moun qui vient comprendre, chercher comprendre bagay sa yo. Sa ka comprendre, comprendre. Frères et sœurs, chers amis, si nous vient comprendre, chercher comprendre bagay sa yo. C'est ça que David lui-même lui dit nous en conclusion. Si nous voulons comprendre, chercher comprendre bagay sa yo. Gen pile bagay pour nous chercher comprendre. Gen pile bagay pour nous étudier. Pour nous chercher comprendre. Qui ça peut passer? Pour nous chercher comprendre. Comment Abaya lui-même a planifié pour capable délivré peuple. Misère que peuple Abaya a passé un peu partout dans le monde depuis des siècles. Ça pas loin pour le finir. Et c'est ça que Abaya il te dit à Habakkuk dans chapitre 2. Point roche, plate. Écrit tout ça comme quoi là. Ben ça yo, il pas loin arriver. Il a privé. Et sous ta, ça va un petit retard, c'est qu'il a privé bientôt. Et tout ça que David lui annoncé dans Somme 107 là, toutes ces bagailles qui vient privé. Il n'y a pas loin pour y arriver. Ça a pris un petit retard. Mais ça que nous sommes sûrs certains, c'est que la parole prophétique l'a accompli. Il l'a accompli. Autant convenable, il a accompli pour le bien-être du peuple de Abaya. Que Abaya est capable d'aider nous à comprendre, à chercher comprendre toute prophétie. Et que nous sommes capables de vivre conformément à la prophétie Abaya. Et nous sommes capables de préparer nous pour ce grand retour. Parce que retour à l'Ipalon. Côté que Abaya a retourné à Tiponien, peuple ya, et bien qui était. Il y a tout partout, mais la vraie union pour que ensemble, nous sommes capables de faire autre là pour Canaan. Alléluia, alléluia, alléluia. Et où
qui fait contrat à Abraham, Isaac avec Jacob, ou adopté petit Jacob. Yo t'a vive comme étranger à Salem, mais on te promet yo pays Canaan. Où des songes promets sous, et yo t'es dans souffrance en Égypte. Et des sons vignes, il rayonne.